On est vendredi midi et je ne vous ai toujours pas filmé une seule recette pour la vidéo de ce week-end. Alors je n'avais pas vraiment le choix, vous l'aurez certainement vu dans l'introduction de cette vidéo. Et pour ceux qui ont le souci du détail, vous remarquerez qu'il y a eu des petits changements dans ma cuisine. Donc toute cette semaine, la cuisine était en chantier, donc je ne pouvais pas travailler et vous préparer de recettes. Alors pourquoi ces travaux dans ma cuisine? Tout simplement parce qu'il y a 4 mois, on a eu un dégât des eaux, pas méchant, c'est le chauffe-eau qui est derrière le mur de la cuisine qui avait lâché. Et juste, c'est arrivé les seuls 15 jours de l'année où on était absent. Donc quand on est rentré, on a vu qu'il y avait quelques petits changements dans la cuisine. Les choses avaient un petit peu bougé. Effectivement, le plan de travail avait pompé l'humidité en fait. Donc comme il était en bois, il avait gondolé. Peut-être vous l'aurez remarqué sur les vidéos, des fois j'essayais de cacher avec mon téléphone, je réglais le plan de façon à que ça reste droit. Et bon voilà, chaque fois j'ai réussi à cacher pendant tout ce temps pour que je puisse quand même continuer de travailler. Donc il a fallu changer le plan de travail, et quand on change aussi le plan de travail, du coup ben la crédence, tout ça, ça charge un petit peu, donc c'était l'occasion de changer. Et surtout, vous en doutez que là j'en ai profité, c'était l'occasion ou jamais, parce que je suis locataire, je ne suis pas propriétaire, j'aurais pas fait des travaux dans la cuisine. Mais c'était l'occasion pour moi de passer sur une plaque de cuisson 4 feux, parce que je n'avais que 2 feux. Et forcément, vu mon travail et ma passion pour la cuisine, c'est l'occasion ou jamais pour moi de changer. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail tout à l'heure les changements qu'on a fait. Du coup, cette semaine, il fallait s'organiser un petit peu différemment. Je suis allée faire quelques courses hier en fin de journée. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. En plus, je suis allée dans un Intermarché, chose que je ne fais jamais, mais c'était vraiment pour gagner du temps. C'était juste à côté de là où j'étais. Je me suis dit, bon, je vais faire quelques courses. Comme ça, je commencerai à vous parler des prochaines recettes qu'on fera dans la prochaine vidéo. On va vraiment faire des recettes d'été pleines de fraîcheur et de goût, hein, comme d'habitude. Mais ça vous donnera des petites idées. Mais juste avant, j'en profite. Voilà, je vais vous montrer un petit peu en détail les changements dans la cuisine. J'ai vraiment là fait rapido. J'ai tout remis tel quel comme c'était avant. Je veux quand même en profiter cette fois-ci pour faire du tri. Je vais vraiment essayer de garder le plan de travail et la cuisine la plus fonctionnelle possible, la plus pratique pour vous réaliser des vidéos vraiment plus facilement au quotidien. Et puis comme ça, je pourrais vous proposer beaucoup plus facilement du contenu. Donc là, je vous montre comment c'est à l'heure actuelle. Et lors de la prochaine vidéo, j'aimerais vous montrer un petit peu le final. J'attends encore de recevoir les poignées de porte. J'ai enfin trouvé quelque chose pour remplacer les petites poignées de porte que j'avais fait moi-même. J'avais enroulé, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui me suivent depuis un petit moment, de la corde autour des poignées pour essayer de donner un style un peu plus cosy, campagne, à cette cuisine. Donc là, j'ai enfin trouvé quelque chose qui sera facile à nettoyer. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et ensuite, quelques accessoires de déco pour que ça reste fonctionnel et agréable pour vous quand je filme les vidéos. Donc voilà sur ce côté-là. Donc franchement, ne regardez pas dans les détails parce que je dois encore nettoyer les joints du carrelage. Il fallait laisser encore une journée. Donc il faut que j'enlève tout ce petit dépôt. Il faut que je nettoie. Donc tout n'est pas vraiment complètement terminé. Mais je voulais vous montrer l'essentiel. Donc surtout, voilà. La plaque 4 feux, ça va vraiment être beaucoup plus pratique. Il faut juste par contre qu'on termine de changer les gicleurs, parce que la plaque était livrée d'office avec des gicleurs, ou je sais pas comment on appelle ça, avec en fait les embouts adaptés au gaz de ville, et nous on est en bouteille, donc il faut changer tout ça. Donc ces trois là sont faits, mais celui-ci on a un problème, on n'arrive pas à dévisser le gicleur. Et en fait, si je vous montre, je vais essayer de pas faire de bêtises, mais je suis au gaz de ville et regardez ce que ça donne. Voilà, donc je veux bien faire du wok, mais là ça sera limite un barbecue à l'intérieur, donc on va éviter. Donc il faut régler encore ce dernier feu, mais ça sera vraiment top. Donc ça sera vraiment pratique pour préparer plusieurs recettes. Les meal prep seront facilitées. Sur ce côté-là, donc du coup c'est un petit peu plus réduit par rapport à ce que j'avais avant, puisqu'avant ça s'arrêtait ici. Mais je vais essayer peut-être de faire ici tout ce qui est le coin assaisonnement. Je vais voir comment je vais arranger tout ça. Ici, on retrouve, vous reconnaîtrez la disposition habituelle, mais là, c'est pareil. Je vais essayer de dégager un maximum pour que j'ai plus de place pour bien filmer et vous présenter les recettes. Rapidement, un petit accessoire de déco, je vous l'avais montré sur Instagram. J'avais trouvé ce support à œufs chez Maison du Monde. Il est un petit peu, vous voyez, légèrement moucheté. Ça ressemble à d'ailleurs de la vaisselle que j'utilise pour filmer les vidéos. Il est vraiment mignon. Donc ça, c'est les œufs des poulettes. Ça y est, elles sont un peu plus efficaces au niveau des pentes. Elles grandissent et voilà. Donc là, on a des œufs de façon un peu plus régulière. Donc ça, c'était la petite aparté déco. Au niveau du plan de travail, donc je l'ai changé. Mais je suis partie sur
Je suis restée sur du bois en fait, parce que tout ce qui était en mélaminé, franchement, c'était très très moche. Voilà, c'était pas joli par rapport aux couleurs aussi, aux teintes que je cherchais. Donc, c'est assez similaire à l'autre, mais c'est juste que c'est une couleur plus froide en fait. L'autre, il était assez miel, un peu orangé. Je voulais quelque chose d'un peu plus doux dans des teintes, voilà, légèrement moins chaudes en fait, beaucoup plus froid. Je sais pas comment définir cette notion de couleur au niveau du plan de travail. Donc voilà, ensuite le carrelage, donc quand je vous montrais, j'ai mis du travertin. Alors je sais que c'est plus trop ce qui se fait en ce moment. Je vous reprends par là, mais franchement, la maison en fait dans laquelle on habite, l'appartement, fait partie d'une maison à plusieurs étages. Et c'est une maison quand même qui est assez ancienne, qui a plus d'une trentaine d'années, une maison provençale. Et je trouve que bon, voilà, faire du moderne avec les meubles, j'allais pas tout changer. Donc j'ai préféré prendre quelque chose, voilà, qui restait un petit peu dans le jus de la Provence, on va dire. Et puis j'aime beaucoup en fait tout ce qui est ancien, rustique. Donc je suis partie sur une crédence en travertin. Et en plus il y avait des promos, donc c'était vraiment intéressant. Ça rentrait vraiment dans le budget qu'on avait avec l'indemnisation. Donc voilà, je trouve que ça fait assez doux. Il me semble que l'évier a été légèrement décalé. Ici, j'ai un petit peu moins de place, mais du coup, j'en ai un petit peu plus ici. Alors ça, c'est mon infusion de thym parce que je suis encore un petit peu... j'ai encore ma voix qui part. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer des petites tasses que je me suis trouvées. Je trouve ça très sympa. Je cherchais des tasses sans anse pour pouvoir voilà, prendre vraiment mes tasses comme ça. Je trouve ça beaucoup plus, je sais pas, chaleureux, cosy quand je prends mes infusions ou mon thé matcha. Et surtout que je vous montre, petite astuce, au niveau de la quantité, j'ai regardé, elles font 250 ml. Donc c'est une quantité raisonnable quand on veut s'hydrater, plutôt que, vous savez, ces gros mugs où on va peut-être noyer notre ventre avec trop d'eau. Et c'est pas génial aussi pour avoir une bonne digestion. Donc ça, c'est une petite astuce, trouver des tasses qui aient des quantités beaucoup plus raisonnables pour ne pas trop diluer vos sucs digestifs. Donc petit aparté, astuce digestion, je repars sur cette zone-là. Donc là c'est pareil, j'ai mis vite fait mon coin matcha, mais je pense que je vais un petit peu l'utiliser, je ne sais pas encore pourquoi mettre, mais du coup c'est plus pratique pour travailler. Peut-être que ça sera là que je mettrai tout ce qui est mes planches à découper pour quand je vous prépare les recettes, pour être près de l'évier pour rincer, etc. les légumes. Je trouve que ça peut être sympa. Voilà, changer un petit peu la disposition. Je vais voir tout ça. Je vais m'en occuper cet après-midi. Je vais finir de tout nettoyer et de réinstaller. Au niveau donc des poignées de porte, comme je vous disais, il est vraiment temps. Poignées de porte et tiroirs. Mes pauvres poignées que j'avais customisées, là, elles n'en peuvent plus. Bon, voilà, ça m'a bien dépanné. Et ce que je voudrais faire, c'est peindre le liseré qui est ici, en fait, le bord des tiroirs et des placards. Je trouve en fait que ça casse, ça fait des blocs comme ça et je voudrais quelque chose de plus unifié en fait. Donc j'ai fait un test ici. J'ai commencé à peindre pour voir, j'avais de la peinture pour voir si ça allait être la bonne couleur. Et je pense que ça va le faire. Donc j'ai vraiment fait ça grossièrement. Là, je vais vraiment prendre un rouleau quand je vais le faire pour le peindre correctement. Et comme ça fera beaucoup plus uni en fait. Je pense que ça sera plus sympa. Le but en fait, c'est plutôt de retrouver cet esprit, vous voyez, que j'ai sur ce meuble-là. Quelque chose de plus doux, plus lisse ou qu'il n'y ait pas de cassure en fait à chaque élément, porte ou tiroir. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer ici, j'ai toute ma petite vaisselle. J'ai fait quelques petites trouvailles sur internet. J'ai trouvé ces tasses aussi avec celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Toujours dans le même esprit, petit contenant. Je trouve qu'elles sont tellement jolies. Voilà, ça va bien avec le style maintenant de la crédence et du plan de travail. Donc voilà pour toutes les petites choses de déco que j'ai trouvées en supplément. Voilà, c'est un petit tour rapide de l'état de la cuisine actuellement. Je vais vous montrer ce que j'ai pris aux courses dans l'intermarché que j'ai à côté de chez moi. Je ne sais pas si vous avez ce genre de supermarché. Je sais pas, il y a quoi? Intermarché, Super U, Carrefour, Leclerc. Leclerc, je n'ai pas de Leclerc à côté de chez moi, donc du coup, je ne sais pas si ça vous intéresserait. Un jour, je peux aller faire mes courses dans une autre petite ville à côté, voir les produits qu'on peut trouver qui seraient intéressants. Il y a quand même pas mal de communication au sujet de Leclerc et apparemment, ils sont quand même assez bien placés au niveau des prix, donc à voir. Je peux essayer de faire ça une fois pour varier un petit peu. Je vous montre ce que j'ai trouvé chez Intermarché pour ce petit retour de course. Je vous parle rapidement des recettes et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo où là, normalement, j'espère j'aurai bien avancé. Je ne sais pas si j'aurai peint toutes les portes encore, je vais voir. J'espère que j'aurai reçu les poignées des placards et des tiroirs. C'est pas sûr. Mais en tout cas, la cuisine sera finie, normalement, j'espère. Le problème avec mon gaz, là, ça sera réglé parce que j'ai vraiment envie de pouvoir cuisiner, utiliser le wok correctement. Et voilà, je vous montre les courses. Donc voilà ce petit réassort que j'ai fait donc hier pour les courses. J'ai pris un brocoli, concombre, céleri branche, un maximum de légumes verts, les courgettes. J'ai pris ce filet de 2 kg. Elles sont de France.
Je me trompe pas, hein. Oui, j'avais bien vérifié. Origine France et ça revenait à 1,50 € le kilo. Donc, si ça vaut le coup, ça c'est vraiment le légume du moment. Donc, je vais vous proposer des recettes avec. C'est pratique aussi, pensez-y. Quand il y a des promos sur certains légumes de saison, ben, on prend un gros paquet, mais après, on va faire des recettes différentes. J'ai pris aussi ces trois petites tomates. Alors, en général, je ne prends pas souvent des tomates, mais là, au Intermarché, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'ils avaient des petits panneaux sur certains légumes où ils précisaient que c'était local. Donc, je me suis dit, pourquoi pas des petites tomates, si c'est local, des tomates grappes, ça me permettra d'agrémenter un petit peu certains plats. Je reviens aussi sur le céleri branche. Des fois, ça peut faire un petit peu peur de prendre le bouquet de céleri parce que c'est assez gros, on ne sait pas trop comment l'utiliser, mais vous pouvez tout simplement prendre les branches que vous avez besoin. Voilà, c'est pas interdit, c'est du vrac dans votre magasin, vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Et ça peut être très sympa de rajouter ce genre de légumes pour agrémenter vos plats et vous habituer un petit peu à ces saveurs de légumes verts et pour profiter, voilà, de toutes les vitamines et minéraux qu'ils contiennent, les puissants antioxydants de tout ce qui est légumes verts. Donc voilà, n'ayez pas peur, profitez-en, prenez juste les quantités qu'il vous faut. J'avais pris aussi une botte de radis. Alors franchement, je pense qu'au niveau de la fraîcheur, on est bof bof. D'habitude, j'aime bien utiliser les fans de radis pour faire une petite soupe, même en été. Je pense que là, je vais en faire profiter les poulettes. Elles seront bien contentes, c'est pas grave. Après, j'ai pris leur marque au niveau des yaourts soja, leur marque Pâturage. C'était un petit peu moins cher. Je me suis dit, bon voilà, pour changer un petit peu, je vais profiter de leurs produits, leurs propres produits. J'ai pris les yaourts Andros au lait de coco parce que je voudrais faire une petite recette asiatique. Je vous laisse un petit peu imaginer ce qu'on va faire. Il y a aussi les cacahuètes qui sont là, nouilles de riz, yaourt au lait de coco et je vais vous montrer tout à l'heure, mais dans les fruits et légumes, j'ai pris un citron vert. Voilà, citron vert qui n'arrête pas de partir, je ne peux pas filmer, voilà. Je pense faire une bonne petite sauce, yaourt coco, citron vert, gingembre, sauce soja, je vais voir pour agrémenter un plat que je pense qu'on fera froid, voilà, pour un bon petit plat d'été, équilibré toujours. J'ai pu trouver alors la fameuse truite fumée dont je vous parle souvent, la marque Eau Vive. Je prends aussi chez Lidl, qu'ils n'avaient pas toujours en ce moment. D'ailleurs, j'ai du mal à trouver, mais là, chez Intermarché, super, ils l'avaient, donc j'ai pu prendre un petit paquet. C'est quand même pas le même prix, hein. On voit vraiment la différence et pourtant c'est la même marque. Donc sur ça, Lidl se positionne très bien, il n'y a pas à dire au niveau des prix, ça peut être très intéressant. J'ai profité, ce qui est pratique aussi quand même dans cet Intermarché, il y avait des produits bio en vrac. Donc j'ai pris des baies de goji et quelques graines de courge, voilà, pour faire les recettes que j'ai imaginées, que je pense, voilà, je vais agrémenter avec toutes ces petites graines, ces baies. Ça rajoutera de la couleur, plein de bonnes vitamines, minéraux, des bons gras et des bonnes protéines. Comme je vous avais dit, n'hésitez pas à rajouter plein de couleurs dans vos assiettes, comme ça vous êtes sûr de faire le plein de vitamines et minéraux, en plus de tout ce qui est légumes verts. Après, j'ai profité d'être chez Intermarché parce qu'on trouve plus facilement cette marque en grande surface, la marque Mouti. Je trouve qu'au niveau des tomates, c'est vraiment la meilleure marque qu'on puisse utiliser. Elles sont cueillies à maturité, donc voilà, on a de la bonne tomate en conserve, ça dépanne. J'ai pris aussi des cœurs de palmier, même si j'essaye de cuisiner autant que possible tout ce qui est les légumes frais. Mais des fois, dans les journées un peu speed, ben, je suis bien contente d'avoir une boîte de conserve pour me dépanner. J'ai pris ce vinaigre balsamique bio qui était très bien, voilà, j'en avais besoin. Donc j'ai profité de trouver cette référence. Et au niveau donc des légumes, j'ai pris ces nectarines plates qui étaient à 2,49 € le kilo. Elles viennent de France. Je trouvais que c'était un prix très raisonnable par rapport à tout le reste. Parce que les pêches et les nectarines classiques, elles sont à 4,99 €. C'est la folie. Donc ça, 2,49 €, c'était bien. Quelques pommes et des bananes. Voilà. Donc un petit réassort. Vous voyez, on a un petit peu de tout. J'ai pas repris beaucoup de protéines à part la truite fumée parce qu'il me reste des choses dans mon réfrigérateur que je pourrais utiliser pour vous proposer les prochaines recettes. Voilà pour cette petite vidéo adaptée à la situation de ma cuisine. Merci pour votre fidélité, même si j'ai pas pu vous proposer énormément de recettes pour cette semaine. Je vous dis à très vite. Restez bien connectés parce que j'ai vraiment envie de vous montrer comment je vais arranger cette cuisine pour qu'elle soit beaucoup plus sympa, encore plus agréable pour vous quand je pourrai tourner les vidéos. Et vous proposer bien sûr des recettes, on va vraiment partir sur les thèmes de l'été, des recettes fraîcheurs. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Merci de liker, commenter et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, c'est vrai qu'ici sur YouTube, on est une belle communauté, maintenant on est plus de 13 000.
mais sur Instagram on est moins nombreux. Sur Instagram, je vous partage plus facilement au quotidien des petites astuces, des recettes, même des fois par anticipation, je vous dévoile un petit peu les recettes que je vous montrerai dans la prochaine vidéo YouTube et j'essaye vraiment voilà, de vous donner un max d'infos au quotidien, que ce soit alimentation, santé, bien-être, des idées de recettes. Donc surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne semaine.